La mission des TST-HTA, en fait, c'est de travailler en maintenant l'électricité sous tension et on réalise des travaux d'entretien ou de rénovation sous les lignes. Il y a la méthode à distance avec des perches. On a la méthode au potentiel, donc on branche la nacelle avec une pince sur la ligne. Et on a la méthode au contact avec des gants isolants longs jusqu'aux épaules. Donc en fait, pour être sûr qu'on ne puisse pas faire électriser, on passe un chiffon siliconé. S'il se met à pleuvoir, les gouttes d'eau, elles perlent et que ça ne fasse pas un fil d'eau qui puisse être conducteur jusqu'à nous. Les spécificités du métier, c'est de travailler en équipe. Fais cap. C'est bon pour moi. Moi, je dois te surveiller en bas et leur donner les instructions, ce qu'ils doivent faire. Et puis, s'ils oublient des choses, de leur dire, de faire attention à tout ce qui se passe. C'est un travail physique, un travail d'équipe. D'être toujours en extérieur, sur de l'aérien et de travailler sous tension. On est moins de 1000 habilités en France. Étant donné qu'on travaille sous tension, du coup, on évite les coupures sur le réseau. Donc, le courant est en continu chez les clients et ça participe amplement à la satisfaction client. Sur la DR Alpes, nous sommes 35 personnes, encadrants compris. On a besoin de monteurs distance, aussi des préparateurs dans notre métier. On effectue des chantiers de grosse ampleur avec des gros moyens, avec la nacelle, des gros camions. C'est un métier de rigueur. Et on est un peu la vitrine de l'entreprise et c'est un boulot qui est hyper intéressant et hyper gratifiant.